レオ体操第一よーい全力疾走いきなり走るのかよおい待てよおいもっと速く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Rebonjour Ben. Salut Julien. Donc rebonjour parce que tu étais déjà venu nous présenter Rainbow Island où on avait vu les sept niveaux du jeu original. Et à la fin, surprise, il y a des niveaux cachés. Une surprise, bah oui, on s'y attend pas du tout, hein, surtout moi, hein, c'était vraiment surpris. Voilà, donc j'avais fait toutes les îles parfaitement avec tous les diamants dans l'ordre, et puis le fait d'avoir tous les diamants dans l'ordre, bah, voilà, ça m'a permis d'accéder aux fameuses îles secrètes. D'accord, donc là on va voir à quoi elles ressemblent un peu, quand tu vas faire la suite. Faire encore, voilà. Voilà, la suite. Donc là, on est dans la salle secrète avec l'item conte. On a vu, voilà. C'est continuer. Ça veut dire continuer. Alors, c'est un peu particulier, en fait. C'est pas vraiment continuer dans le sens où on va débloquer les îles secrètes. C'est continuer à partir du moment où on perd un crédit, en fait. Il faut savoir que dans le jeu, à l'origine, quand tu perdais un crédit, à partir de l'île 5, mm-hmm. 5, 6 ou 7, tu pouvais plus continuer. Il y avait pas mal de jeux d'arcade à l'époque, hein, qui étaient comme ça, oui, Shinobi oui. Sur le dernier niveau, par exemple, ce genre de choses. Donc là, à partir du moment où on a pris cet item-là, on peut continuer avec 10, 20 crédits, autant de fois qu'on veut. D'accord. Enfin, c'est pas l'objectif, là. Non, je pense que tu utilises rarement des crédits. Non. Donc là... Alors là, on est dans la huitième île, hein, donc la première île secrète. Et ma première remarque, on voit déjà que c'est plus la même musique, en fait. Ouais. C'est une nouvelle musique. Et en fait, ça nous indique que ça correspond surtout à un autre jeu de Taito. Alors un petit peu plus obscur que Arkanoid, puisqu'on avait vu que dans la première partie, on avait la cinquième île qui correspondait en fait à l'île d'Arkanoid, en fait. Ouais. Avec tous les ennemis d'Arkanoid, le même son, les mêmes décors. Ouais. Et là, on est vraiment dans les décors, les mêmes ennemis, la même musique que dans un jeu de Taito qui s'appelle The Fairyland Story, d'arcade, qui est pas mal d'ailleurs, que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Grâce à Rainbow Island. Grâce à Rainbow Island, oui. D'accord. Donc là, d'ailleurs, on voit que donc c'est plus la même musique, c'est plus le même thème d'ailleurs, parce que c'était toujours le même thème musical qui revenait au cours des premières îles. Mm-hmm. Et il faut savoir d'ailleurs à ce sujet que ce thème musical a été plus ou moins plagié, plus ou moins copié en fait sur la musique de Somewhere Over the Rainbow, c'était la chanson qu'on entendait dans le film Le Magicien d'Oz, chanté par Judy Garland. Et d'ailleurs, moi j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que c'était que le thème musical correspondait, au moins le refrain correspondait à cette chanson-là. Et c'est vrai parce qu'il était un peu plus accéléré que dans la chanson. Ah ouais. Et il faut savoir aussi que toutes les adaptations qui avaient été faites à l'époque, à l'époque où le jeu est sorti en arcade, donc toutes les adaptations sur micro, console de l'époque, en 89, 90, ouais, voilà. Bon. À la fin des années 80, début 90, avait gardé le même thème musical que dans la version d'arcade, et ce qui n'était plus le cas dans les versions, par exemple, sur les consoles plus récentes, comme la PlayStation. Bon, là, on existe sur PlayStation, il était ressorti sur PC aussi dans les années 90, et là, il possédait un thème musical différent. D'accord, donc... On peut à peu près être sûr que, bon, je sais pas si Taito a été fait tirer les oreilles pour plagiat, mais c'est quasiment sûr. Ouais. Ouais. Voilà, donc on va un petit peu revenir au jeu. Hein. Ouais, donc pour rappel, t'as réussi à accéder à ces niveaux secrets en attrapant les diamants qu'on va clignoter en bas là. Ouais, donc, alors c'est vrai que les trois îles secrètes ne peuvent se débloquer que si on arrive à faire les sept premières îles avec tous les diamants. Pas forcément dans l'ordre. On peut très bien accéder aux îles secrètes sans avoir eu tous les diamants dans l'ordre. Hein, donc, non, en fait, les diamants, si on les a dans l'ordre, on accède à une salle secrète à la fin du niveau. Hein, on l'a vu dans la première partie, hein, où on, donc dans la dernière salle, on a le droit à
un boss et une petite porte qui nous mène à la salle secrète. Mais on peut très bien avoir tous les diamants sans forcément les avoir dans l'ordre et accéder au boss sans avoir la fameuse salle secrète. D'accord. Donc voilà, donc en fait la salle secrète elle correspond à un bonus de points qui est beaucoup plus important qu'on verra un petit peu plus loin quand on arrivera vers la fin du jeu. Voilà, donc là on voit que j'ai maximum de vie en stock, j'ai tous les diamants, donc là on voit que je suis à 7 millions de points. Et voilà, l'objectif c'est de faire le plus grand score possible. D'accord, donc là t'es parti pour scorer sur les trois derniers niveaux quoi. Voilà. Voilà, mais on voit que moi, je suis quand même bien armé, j'ai toujours cette fameuse fée là qui m'avait été donnée de manière permanente. Alors, on voit que j'essaye vraiment de faire des combos. Hein. On voit que j'essaye vraiment de sauter en même temps, que je crée des arcs-en-ciel, toujours en essayant de faire de détruire 8 ennemis avec la même série d'arcs-en-ciel. Voilà, donc la série d'arcs-en-ciel qui ne se casse pas. Tant que les arcs-en-ciel sont à l'écran. Voilà. C'est pour ça que t'en fais plein à la suite en même temps. Si on fait tomber une première série d'arcs-en-ciel, il faut que cette première série soit encore à l'écran lorsqu'on fait tomber la série suivante. D'accord. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un paramètre important et qui n'est pas évident à maîtriser parce qu'il faut sauter très très vite. Et même si on a les ailes, pas évident à maîtriser. Mm-hmm. Voilà. Donc, on va voir, je vais arriver donc au dernier. Je suis au dernier niveau, donc on va arriver au boss. Ouais. Ça correspond donc évidemment au personnage du jeu, The Island Story, donc un petit diablotin qui est exceptionnel. Ouais, c'est clair, on n'a pas. Putain, c'est énorme. Et qui n'est pas si évident que ça en fait. Là, on voit que j'utilise un schéma, un pattern qui me permet de ne pas mourir, hein, de passer au-dessus de lui. Mais bon, si on y arrive sans connaître le boss. Alors là, on voit que j'ai plus un diamant là, c'est un plateau, une sorte de plateau en argent ou en bronze, je sais pas. Ouais. Alors là, on voit que l'autre item là que j'ai en dessous, je tarde à prendre, c'est un dollar géant en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les items cachés du jeu, hein, on a vu que j'en ai découvert beaucoup là au fil des niveaux, à partir de maintenant, en fait, ça va être des sacs, des sacs de dollars. Ah oui. Donc là, on va le voir. Donc en fait, les items augmentaient, hein, on l'avait expliqué, de manière exponentielle. Ouais. Sauf que bah, voilà, à partir de maintenant, bah, ils vont tous valoir 10 000 points à chaque fois. Donc c'est une source de points, c'est monstrueux. C'est clair. Donc là, c'est quoi le thème? Alors là, on est sur la 9e île, donc l'avant-dernière île, hein, 9e, 9e, 3. Ça y est, j'ai reconnu. Et voilà, donc, je pense que t'as reconnu. Bah, c'est pas mal d'avoir reconnu parce que quand même pas beaucoup d'ennemis. Donc c'est voilà, un shoot assez classique de Taito qui s'appelait Darius. Une écrevisse. Voilà. Darius sur le thème des poissons. Voilà. Et toujours avec la musique. Putain, l'écrevisse, c'est mortel aussi. Toujours avec la musique qui correspondait au jeu. C'est pareil, t'essayes d'avoir le diamant. Ah, voilà, donc là je suis une full jaune. Donc là j'étais pas loin, mais bon, malheureusement, il me donne toujours l'orange. Donc là, la règle n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est l'endroit où ça tombe qui donne le diamant de telle ou telle couleur. Voilà. Paul. Là, par contre, je vais l'avoir, le jaune. Parce que comme j'ai eu un power-up sur le bonus précédent, je suis sûr que sur le suivant, c'est un diamant. Hein. Parce qu'on rappelle, la règle, c'est deux ennemis sur trois qui sont détruits, soit en faisant tomber les arcs-en-ciel, soit avec la petite fée qui tourne autour. Bien, deux ennemis sur trois, c'est forcément des diamants. Et un ennemi sur trois, c'est un power-up. Voilà, donc on voit bien tous les ennemis là, de Darius. Et voilà, tous les items un peu... C'est une gage de score. Ouais. Même le fond, tiens. Ah oui, ça reprend hein, jusque dans les moindres. Excellent. Jusque dans les moindres détails. Voilà, donc là, une quête d'élan bleu. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'il y a, comme dans la plupart des cute games de Taito, comme ça, il y a plusieurs versions du jeu. Et il faut savoir que bah, ce jeu ne dérange pas la règle. On a une version qui s'appelle Rainbow Island Extra, qui possède en fait exactement les mêmes niveaux, la même architecture, mais avec des ennemis qui ne correspondent pas
au niveau de la première version. Là, là ça me fait penser à ça, parce que là, par exemple, je vois les ennemis de l'île de Darius, donc dans laquelle on est là. Ouais. Ils sont présents dans le premier niveau de la première île, dans la version extra de Rainbow Island. Donc ça change beaucoup, beaucoup de choses au niveau du scoring, au niveau du concept. Enfin, il y a une version extra de Rainbow Island qui est encore plus axée sur le scoring, parce qu'on ne peut pas... pas bloquer le compteur. Ah oui. Donc là, il y a un vrai record mondial à essayer d'accéder. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais là l'objectif, c'est d'aller non seulement faire le plus gros score possible, mais de bloquer le compteur. D'accord. C'est pas juste terminer les 7 îles de base. Non. On avait fait croire un petit peu. Je vous ai bien vu. Ouais. J'essaye, voilà, on la voit bien, encore un combo, 100 000 points. Mmh. Ouais, donc là, il manque toujours le dernier diamant. Mmh. Et non, on dirait que... Ouais, là j'essaye d'avoir le point, hein, j'essaye de faire les combos, je cherche pas trop à avoir le dernier diamant. Voilà, donc là on voit 32 000 points. Ça correspond à 6 ennemis en fait. 6 ennemis détruits avec la même suite d'arc-en-ciel. Donc là voilà, là, je suis au dernier niveau de l'île. D'ailleurs, j'ai toujours pas le diamant. Peut-être que voilà, je me précipite. Bon, c'est vrai que des fois je me précipite pas parce que je sais, même si là je l'ai pas eu, il n'y a aucune. Pas vraiment de quoi paniquer parce que je sais qu'il y a encore suffisamment d'ennemis. Au-dessus, t'as tout un niveau pour avoir ce diamant. Et en plus, les diamants aux extrémités, on va dire, donc soit à l'extrême droite pour le diamant mauve ou l'extrême gauche pour le rouge, sont assez faciles à avoir. Ouais. Puisqu'on sait que même si le diamant part un peu trop sur la droite, on sait que ce sera là, par exemple, c'est bon, là c'est un power-up qui me donne l'étoile rouge, mais on sait que ce sera forcément le diamant recherché. Mmh. C'est pas comme si je voulais, par exemple, avoir le diamant du milieu, quoi. Par exemple, voilà, le diamant du milieu, c'est le vert. Des fois, pour peu que j'ai mal calculé mon coup, que l'ennemi tombe un petit peu plus sur la droite ou sur la gauche de ce que j'avais espéré, je vais avoir, si c'est un peu plus à droite, je vais avoir le diamant bleu, et si c'est un petit peu plus à gauche, je vais avoir le diamant jaune. Donc c'est vrai que faut jamais se précipiter d'ailleurs avant de ramasser les diamants. Bon, là, évidemment, ouais, maintenant je peux parce que je les ai tous, mais quand on cherche à les attraper pour la première fois au début du niveau, faut pas trop anticiper. Je sais que je jouais assez vite à ce jeu-là. Parce qu'il faut savoir que bon, les diamants, même comme tous les objets, c'est vrai que c'est un détail important, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'aller dessus pour les récupérer, on peut les récupérer simplement en balançant l'arc-en-ciel dessus. Ouais. Et là, tu peux faire des vides et des erreurs. Voilà, on peut très très vite. C'est même la présentation des boss de Darius. Voilà, donc là, on a le boss de Darius qui n'est pas si facile d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment lui balancer les arc-en-ciel. Ouais, faut aller vite. Ouais, faut aller très très vite. Il faut vraiment bien maîtriser la technique de l'arc-en-ciel sauter comme ça. Ça consiste à faire tomber l'arc-en-ciel en même temps qu'on saute. Donc ça a l'air facile comme ça. C'est comme ça que tu chopes tous les bonus à la fin du niveau d'ailleurs. Oui, ouais, tout à fait. Pour être sûr d'avoir le temps de les avoir. Alors là, on voit dans la dernière salle, c'est pas la dernière salle, l'avant-dernière salle secrète, on voit que j'ai pris une sorte de boule verte en fait, qui me donne une arme supplémentaire permanente. C'est une sorte, de laser en fait qui va tirer vers les extérieurs, donc au-delà des arcs-en-ciel. Et donc là, cette dernière île, on voit d'ailleurs que dans le décor, au niveau des ennemis, que ça correspond à Bubble, bien sûr. Ouais. Et c'est d'ailleurs vraiment dommage que toutes les adaptations micro-consoles de l'époque ne possédaient pas les îles secrètes du jeu. C'est-à-dire qu'on terminait le jeu systématiquement à la 7e île. Ouais, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que même si il y avait par contre la petite astuce des diamants dans l'ordre, les salles secrètes, les armes permanentes, tout ça y était. Mais même si on faisait tout ça correctement, on n'avait jamais le droit aux îles secrètes, elles n'existaient pas, il n'y avait aucune adaptation, sauf la version PC Engine qui était vraiment très très fidèle à la version arcade. On va pas dire c'était l'arcade parfaite, mais on était vraiment pas loin. D'accord. Donc c'est un peu dommage parce que c'est vraiment le lien direct entre les deux jeux, cette dernière île. Ouais, c'est là qu'on comprend pourquoi ça s'appelle Bubble 2. The Story of Bubble 2, c'est vraiment le lien. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu
droit à ces îles-là sur, sur les portages. C'est un peu dommage. Enfin bon, c'est vrai que... Il faut les chercher quand même. Hein. Oh, oui, 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 c'est pas évident. Hein. Bah, moi-même, j'ai mis beaucoup de temps avant de... Déjà, rien que de comprendre que les diamants tombaient toujours de la même couleur en fonction de l'endroit où ils étaient arrivés, d'un point de vue latéral, je veux dire. Mmh. Déjà, ça, j'ai mis quand même du temps. Hein, c'est tout ça, tu l'as appris par toi-même. Là, pour le coup, tu t'es pas inspiré de vidéos, de... Je m'en suis rendu compte par moi-même au bout d'un moment, mais c'était il y a quand même très longtemps, à l'époque où je jouais. Parce que j'ai pas découvert ce jeu-là en arcade, j'ai beaucoup joué sur toutes les adaptations, j'ai joué sur Commodore, sur l'Atari ST, tout ça. Ouais. D'ailleurs, les versions Atari ST Amiga étaient des adaptations exceptionnelles. Et c'était vraiment de l'arcade quasi perfect, sauf l'absence. Sauf les niveaux manquants. Voilà, sauf les niveaux manquants. Je suis toujours à la recherche d'un mot en vert, voilà. Bon, je prends pas l'indigo là. Je vais attendre le bleu clair. Le bleu, ouais. On voit, c'est vraiment les mêmes ennemis dans Bubble, qui ont les mêmes déplacements, les mêmes patterns. C'est la même configuration de niveau en plus. Écran par écran, sauf que. Oui, oui, les descendre, on les monte. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit même que c'est les ennemis qui rappellent Bubble, mais aussi Space Invaders. Parce que le précédent, c'est les extraterrestres de Space Invaders. Enfin, une petite erreur. Ah, hein. C'est des références à tiroirs. Hein. Ah, Taito, ouais. Ils aiment bien, bien montrer hein, ce qu'ils ont fait. un passage où je peux essayer de faire du combo. Ouais, faire du combo. Et on voit là, comme j'ai perdu ma vie d'ailleurs, j'en pars avec deux arcs-en-ciel. Voilà, donc là avec la potion. Le fameux niveau Space Invaders. Ouais, Bubble. Là, il y a tout un mélange hein, de jeux. Là, c'est... Voilà. Voilà, donc là, il manque toujours le dernier diamant. Mais bon, je panique pas, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je sais que le dernier diamant c'est vraiment le plus facile à avoir. Comme le rouge en fait, le rouge c'est pareil, le rouge c'est le plus facile à avoir parce qu'ils sont aux extrémités. Voilà, donc là on voit que j'ai dépassé un score de 10 millions. Et il faut savoir que on peut pas dépasser ce score si on rentre pas un code au départ du jeu lorsqu'on lance le crédit. Ah oui. Il faut savoir que dans chaque porte, enfin dans chaque salle secrète. Je te montrerai après alors lorsque j'arriverai dans la dernière salle secrète du jeu. Ouais. Il y a tout en haut un code en fait qu'il faut un peu déchiffrer, mais une fois qu'il est déchiffré, en fait ça correspond à un code qu'il faut rentrer avant de lancer le crédit. Mmh. Et donc alors on peut commencer le jeu avec diverses options. Hein. Par exemple, on peut très bien commencer à jouer avec tous les arcs-en-ciel, on peut très bien commencer à jouer avec la chaussure, on peut très bien commencer à jouer. Avec le système de continu, par exemple, que je t'avais expliqué tout à l'heure, où on peut, normalement, on ne peut pas continuer après la cinquième île si on perd un crédit. Donc voilà, donc il suffit de rentrer un code. Et moi, donc, j'ai utilisé le code qui me correspond le plus. C'est pas de la triche, hein, c'est un code qui a été voulu par les programmeurs du jeu. Ouais. Et donc moi, j'ai rentré le code que je rentre toujours au début de la partie, qui consiste à pouvoir dépasser... Le score de 9 999 990. D'accord. Parce que sinon là logiquement si j'avais pas rentré le code bah là je j'aurais bloqué le compteur, voilà, j'aurais bloqué le compteur. J'aurais bloqué le compteur sans pouvoir aller plus haut. Donc ce serait une source de perte de points en fait. On va ça paraît un peu bizarre mais tu vas comprendre pourquoi après. Parce qu'en fait là je suis à 11 millions et en fait je suis très très loin de bloquer le compteur. De bloquer le compteur puisque le compteur je le bloque à 100 millions, enfin à 99 999 000. Il y a tant de niveaux cachés. 990. Alors je te rassure, à 11 millions, on n'a pas fait 11% hein, du jeu. On a fait beaucoup plus. Alors, on va faire toute la saison de No Life sur Rainbow Island. C'est vrai que c'est un jeu qui me tient à cœur. C'est vraiment un de mes jeux d'arcade préférés. Moi, franchement, même j'ai beau le maîtriser et bloquer le compteur à chaque partie, c'est vraiment jouissif parce que, comme je te le disais, on peut jamais jouer exactement deux fois de la même manière. Mmh. C'est-à-dire que avoir les diamants dans l'ordre, bon, c'est assez faisable hein, quand on maîtrise bien le jeu, mais on les a jamais de la même manière, au même moment, avec les mêmes ennemis. Et on a toujours cette petite incertitude. Ouais. Donc
ça qui fait que ça reste assez plaisant à jouer, même quand on maîtrise assez bien le jeu. Donc là, on voit que je suis au dernier niveau. Dernière section. Là. Voilà, donc 40e round, hein, la quatrième partie de la dernière île. Et donc là, voilà, je suis bientôt arrivé au boss, hein, au dernier boss. En fait, je fais bien attention de détruire un certain nombre d'ennemis. Alors ça, je vais l'expliquer après. Mmh. On voit que là, je ne tue pas tous les ennemis, je ramasse pas tous les sacs d'or et c'est fait, bien sûr, exprès. Donc on rentrera en détail après. Donc là, on voit que le boss, je l'ai détruit très vite avec les lasers, en fait, qui partent latéralement. Et sinon, il est assez coriace. Ah ouais. Donc là, on voit que j'accède à la dernière salle, parce que j'ai eu tous les diamants dans l'ordre. Donc on voit le code en voilà, on voit bien le code. Ouais. Donc je ramasse tous les sacs d'or, enfin les sacs de dollars, et je prends pas le sceptre hein, derrière, parce que sinon, ça me fait terminer le jeu. D'accord. Donc je prends à tous les points et je repars à la porte. Et donc, j'ai mon bonus de 50 000 points, en fait, qui correspond aux 10 salles secrètes, pour avoir 50 millions de points. 5 millions. Parce que j'étais à 11 millions. Ah oui. Enfin, 12 ou 13 millions, et donc ouais, là, je suis parti. C'est 50 millions de points. Et donc ça, c'est le bonus pour avoir réussi les 10 salles secrètes. Donc en fait, les 10 salles secrètes, c'est sur les 10 îles avoir tous les diamants dans l'ordre. D'accord. Donc en fait, c'était avoir pour ça. Voilà, c'était pour ça. Avoir tous les diamants dans l'ordre, c'est ça, sur toutes les îles, c'est pour avoir ce fameux bonus de 50 millions de points. Ah oui. Ça vaut le coup de rentrer le code pour les voir. Ça vaut le coup. Ça vaut effectivement. Donc là, on voit que bah, je suis reparti dans le niveau 40 et au dernier niveau. Là, on voit, juste en dessous, là, c'était le niveau 3 parce que chaque niveau est gradué. Hein, niveau 1, 2, 3. Donc là, je suis vraiment au dernier niveau et je continue à faire les diamants. À essayer voilà, d'avoir tous les diamants dans l'ordre. Puisque c'est cette technique qui va me permettre de continuer d'une certaine manière de jouer à l'infini. Parce que là, si j'ai pas tous les diamants dans l'ordre, t'as pas la salle secrète. J'ai pas la salle secrète et donc je suis obligé de terminer le jeu. D'accord. Donc là, on voit que j'ai eu tous les diamants pour l'instant dans l'ordre jusqu'au bleu. Mais tu t'es laissé mourir. Je me suis laissé mourir, voilà. Donc j'étais au troisième étage, donc je me suis laissé mourir tout en dessous du troisième étage pour redescendre au deuxième étage. On l'a vu, là, je suis redescendu au deuxième étage. Et parce qu'il y a plus d'ennemis. D'accord. À détruire et c'est surtout des ennemis qui donnent facilement les deux derniers diamants qui me manquaient. D'accord. L'indigo et donc en fait, autant il n'y a pas d'incertitude, autant là, dans le reste du jeu, autant là, tu as fait un truc que tu vas refaire tout le temps. Là. Voilà, voilà. Alors tout le temps, je mets un bémol parce que je ne vais pas toujours le faire de la même manière. Ouais. Et surtout, c'est loin d'être évident à faire. Moi, j'ai joué pendant pas mal de temps à ce jeu-là en réussissant à avoir tous les diamants sur toutes les îles, dans l'ordre. Ouais. Avoir ce fameux bonus de 50 millions, mais après on voit bien que là quand même je suis à 64 millions et j'arrive quand même à 100 millions. Donc il y a quand même encore beaucoup de points à faire. Et donc le seul moyen de le faire c'est d'accéder de manière indéfinie à cette salle secrète, parce que la salle secrète elle te ramène quand même 900 000 points. Ouais. Normalement c'est 1 million, mais comme le sceptre je le prends pas parce que c'est ce qui me fait terminer le jeu, c'est 1 million de points. Le dernier boss il vaut 1 million de points et après bah, j'ai tous les points là, qui sont dans ce tableau là, les sacs d'or, les diamants, bon, enfin tout ça c'est assez dérisoire comme. Donc là on voit j'ai eu le diamant jaune, donc là j'ai absolument besoin du vert parce que je vais l'avoir, vous voyez. Donc là je sais qu'à côté j'avais eu le power-up, donc je sais que Le prochain, c'est un diamant. Ce sera le premier diamant. Le suivant, ce sera aussi un diamant. Donc là, j'ai un diamant. Je sais que le suivant, je vais avoir un diamant. Mais malheureusement, là, je n'ai pas l'ennemi escompté parce que celui-là, il a un pattern qui ne correspond pas à ce que je voulais. Donc, bon, bah, voilà, là, je panique pas. Hein. Parce que normalement, je m'arrête au diamant bleu au moment où je me suicide. Bon, là, j'ai pas eu le diamant bleu. Là, ça change un peu mes plans. Là. Normalement, là, j'arrive là avec le diamant bleu. Donc là, il faut que. Voilà, là, je fais exprès d'amener les ennemis à droite. Voilà, ben voilà. Voilà, pour être sûr d'avoir leur trajectoire tombante, hein, pour être sûr. Voilà, donc là, il me manque derrière Indigo. Là, pareil, je les fais venir. Voilà, je vais monter tranquillement. Et je sais qu'avec la fée, hop, je vais donner le Indigo et le Roi. Bon, alors là, ça a l'air facile, hein, mais ouais, ça a l'air parfait, mais c'est... section du jeu sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à progresser. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai énormément entraîné. Du coup, en Black Hunter, tu l'as fait beaucoup
Oui, bah maintenant c'est vrai que je maîtrise bien les patterns. On peut vraiment parler de patterns sur cette dernière section où il faut tourner en rond, il faut faire des loops en fait d'une certaine manière. Mais c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas beaucoup de très peu de joueurs en dehors du Japon qui maîtrisent cette technique. Je connais un ou deux joueurs qui arrivent autant finir le jeu, faire les 10 îles, avoir ce fameux bonus de 50 millions, c'est jouable. Autant tourner en rond comme ça pour accéder à un compteur Counter-Stop, hein. c'est un peu plus chaud. Et donc, tu as compté combien de fois tu fais le tour de ce niveau pour Là, non, je ne l'ai pas compté. Alors, il faut savoir qu'on fait... par contre, j'ai compté le nombre de points que je fais à peu près à chaque loop. Ouais. Je fais à peu près 2 300 000 points, entre 2,3 millions et 2,4 millions. D'accord. Puisque j'ai déjà 1 million de bonus sur le boss. Je crois que le boss me donne 1 million. J'ai déjà les 900 000 points de la salle secrète. Ouais. Et donc, derrière, voilà, bah, derrière, je fais à peu près 400 000 points... ces eaux-là, voilà, bonus sur le reste. Donc j'ai à peu près 2 millions de points. Donc tu vois, là, j'ai commencé, je devais être à 62 ou 63 millions de points. Mm-hmm. Là, je suis à 68 millions. Bon, voilà, il suffit de faire le calcul pour savoir à peu près combien de fois j'ai besoin de faire une loop. Pour... Ah, c'est long, hein, c'est long. Ouais. Ça représente une grosse demi-heure. Hein. Faire là, ce que je suis en train de faire là. Donc là, tu le fais encore pendant une demi-heure. Ouais, quasiment. Quasiment. Donc là, voilà, j'ai le diamant bleu. Alors, on va voir dans la section suivante quelque chose de vraiment d'essentiel pour réussir à avoir tous les diamants dans l'ordre. En fait, il faut préparer le niveau suivant. Bon, là, évidemment, je suis sûr d'avoir les deux derniers diamants. Donc là, ça, c'est pas un problème. D'accord. Donc là, à partir de maintenant, pas exactement maintenant, je vais encore attendre de remonter un peu plus haut dans le niveau. On va comprendre pourquoi tu fais des trucs bizarres juste avant de voir. Donc là j'ai tous les diamants et faut savoir que donc ce que j'ai expliqué déjà plusieurs fois, lorsqu'on tue les ennemis correctement, on a 2 diamants sur 3. Ça veut dire qu'il y a une fois sur 3 on n'a pas les diamants. Donc là voilà, à partir de là il faut réussir à détruire un certain nombre d'ennemis qui me permettent d'être sûr que lorsque je vais recommencer le niveau suivant, les deux premiers ennemis détruits me donneront 2 diamants. Parce que j'ai absolument besoin sur les deux premiers ennemis d'avoir le diamant rouge et le diamant orange. D'accord. Parce que si je commence pas d'entrée de jeu, on va le voir après, hein, donc après ce tableau-là, si je suis pas capable d'avoir le rouge et l'orange tout de suite, c'est infaisable. Donc, d'accord. On va le voir. Donc là, je me précipite à gauche très très vite. Et là, grâce à la fée, hop, je détruis les deux ennemis qui me donnent le rouge et l'orange direct. Ouais. Le troisième, c'est un power-up. Voilà. Donc là, je sais que c'est un diamant. Alors là, c'est pareil, j'attends qu'il s'immobilise. Hein, on a vu que l'ennemi faisait un petit zigzag. Il s'immobilise. Je tire 3 arcs-en-ciel et grâce au laser qui part un peu à l'extérieur de l'arc-en-ciel, voilà, je le tue et il me donne automatiquement un diamant jaune qui tombe sur la plateforme. Donc tout ça, les trois premiers diamants, je dirais, c'est assez facile. Bon, celui-là, déjà... déjà un peu plus aléatoire parce que là on voit les ennemis là qui tournent là, ils tournent pas toujours comme il faut. Tu vois, bon là celui-là il va revenir. Bon là les patterns sont déjà un petit peu plus aléatoires, tu vois. Là le bleu il est pas toujours évident à voir. On va dire le vert et le bleu, pas toujours évident. Les trois premiers sont faciles. Ça c'est sûr que je me plante jamais là-dessus. Donc là on va revoir après ce que je disais. Et tu vas jamais tomber à court de vie ? Mais non, parce que à chaque fois je perds une vie. Mais comme regarde ce qui va se passer, j'en récupère une. Ouais, voilà. En fait, je perds pas de vie. Donc en fait, tu peux en théorie faire ça à l'infini. Quoi. Je peux jouer à l'infini. Tant que tu ne plantes pas trop sur le diamant. Voilà. C'est vrai que de temps en temps, j'ai pas ce que je veux et des fois, je suis obligé de perdre 3-4 vies. D'accord. C'est un peu galère. D'ailleurs, je le fais un peu sur ce super play, mais c'est beaucoup plus loin dans la vidéo. Mm-hmm. Je sais pas si on le montrera, mais où là, je perds des vies parce que voilà, j'ai pas réussi. Là, tu as compté les ennemis. Voilà, donc là, je suis à 2 ennemis, 3 ennemis détruits. Alors, le problème en plus, c'est qu'on voit pas à quoi ils correspondent parce qu'on les voit pas tomber. 4, c'est pour ça qu'il faut les compter. Voilà, je suis à 5. Je suis à 6. Là, 7, 8. Donc là, ça, c'est pas bon parce qu'il faut que ça corresponde à 1, 4 ou 7. Donc là, je suis à 8,5, 9,5, 10,5. Le premier, c'est un power-up. Le quatrième, sera un power-up. Le septième, ce sera un power-up. Et le dixième, ce sera un power-up. Donc le onzième, ce sera un diamant. Un diamant. Ça c'est vraiment... d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre avant de comprendre le principe. Le c'est l'une des clés. Ouais, c'est vraiment l'une des clés pour...
pour bloquer le compteur en fait. Bon, à la limite, beaucoup plus que d'avoir tous les diamants dans l'ordre, parce que ça c'est beaucoup plus dur hein, que d'avoir tous les diamants dans l'ordre. Ouais, ouais. Pas comme ça, parce que c'est vrai qu'on se dit on fait tout dans la même chose. Ouais, mais en fait. Mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Enfin, pas pour les chenilles, les trois premiers diamants là, c'est, ça va. Ouais, mais après. À partir de l'hiver. Voilà. Donc là, lui, je le laisse toujours tomber. Hein, ça, c'est, hein. Donc, voilà. À partir du moment où là, il y a les ennemis, là, je saute un petit peu pour les faire réapparaître. Voilà. Sinon, ils restent tout en haut de l'écran. Voilà. Donc là, ça va. Si je le détruis correctement, je suis sûr d'avoir les diamants. Enfin, faut le détruire. Au bon endroit en fait. Oui, oui, voilà. Si c'est un peu trop à gauche, un peu trop à droite, et ben voilà, il va pas me donner le bon diamant. Voilà, donc là, il y a le diamant bleu. Voilà, et là derrière, je me suicide. On peut même aller jusqu'au diamant suivant, hein, jusqu'à l'indigo. Mais pas jusqu'au rose, pas jusqu'au mauve. D'accord, on peut pas les faire tous sur cette petite section. On pourrait, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de temps pour le faire. D'accord. C'est-à-dire que là on voit l'eau qui monte quand même assez rapidement. Si on pourrait, si on avait un temps infini, on pourrait. Parce que derrière, plus haut dans l'écran, on a encore pas mal d'ennemis qui peuvent te permettre d'avoir ce fameux dernier diamant qui me manque. D'accord. Mais je te dis déjà pour aller jusqu'à l'indigo, sur la première partie, c'est très très dur. Ouais. Ok, bah on va quand même accélérer un petit peu. Oui. On va voir ce qui se passe à la fin. Voir. Ouais, je le regarderai chez moi, ma tête reposée. Ouais. C'est le dernier round. C'est le dernier round 40. Donc on voit que là maintenant, j'ai un score beaucoup plus proche du score optimal, 97 800 000. Donc là, logiquement, comme j'ai dit, qu'on faisait à peu près 2 300 000 à chaque fois qu'on bouclait le dernier niveau. Voilà, ça va me permettre d'aller jusqu'au bout du score. Donc là, on voit d'ailleurs que. Oui. Pas eu le t'as diamant eu vert, voilà. Donc, pression. Power up. Oui, parce que d'ailleurs on voit que si je finis le jeu là, je suis pas obligé d'avoir tous les diamants dans l'ordre. Mm-hmm. Parce que si je finis le jeu, en fait, j'ai un bonus qui va correspondre à mon nombre de vies qui reste en stock. Ah oui. Donc en fait là, si je finis le jeu, là c'est vraiment pour le fun en fait. Je m'amuse à avoir les diamants dans l'ordre. C'est parce que là, je veux vraiment montrer. Que je bloque le compteur pendant le jeu. En fait. D'accord, en jouant. Voilà, en jouant. Parce que comme chaque vie ramenée, en fait, à la fin du jeu, te donne 1 000 000 de points. Donc en fait, comme tu peux ramener 10 vies, enfin 9 vies en stock plus la vie que tu utilises, tu peux. Tu gagnes 10 millions de points. Bon, à condition d'avoir les 9 vies en stock, là d'ailleurs, je ne les ai pas. J'en ai que 6. Donc en fait, là, je sais que je vais avoir 7 millions de points. Donc 7 millions de points, bah, j'aurais très bien pu m'arrêter à 93 millions. Ouais. 93 millions, j'aurais pu finir. Donc c'est vraiment pour le plaisir. Donc là j'ai tous les diamants. Je suis assez avare sur les points. C'est-à-dire tu continues même au bout d'une heure et demie de jeu. Ouais. Tu continues à essayer de faire tout comme il faut. C'est un plaisir d'ailleurs jusqu'à au point de regarde, continuer à compter. Hein. Là je continue à compter. Hein. Ah oui. Bah oui parce que en fait au moment où je joue j'ai pas compté exactement. Oui, tu regardes donc je suis pas sûr à 100% de bloquer le compteur dans la salle secrète. Mais d'accord. Là maintenant je l'ai vu, je sais que j'ai 1 000 000 de points grâce au boss. Je suis à 99,2 et donc comme là je sais déjà que les sacs de diamants ça me ramène 800 000 points plus le plateau et le sceptre. Là tu prends ton temps, ça y est. Voilà. Un peu de temps bloqué. Un peu de points parce que faut savoir que j'ai pas précisé ça, à chaque fois que tu fais tomber un arc-en-ciel c'est 10 points. Oui. Donc, quand t'as une série de 3 c'est 30 points. Comme les bulles de Bubble qui faisaient 10 points. Comme dans Bubble. Tout est lié. D'ailleurs on voit que ce sont des petits bubbles. Des petits dinosaures. Petits dinosaures qui ont été transformés. Voilà. Comme dans Bubble. Alors là on a deux sortes de magie en fait, parce que j'ai compris, on a la magie des diamants et la magie des plateaux en fait. Les plateaux correspondent en fait aux trois gros diamants des îles secrètes. Voilà, aux trois îles secrètes. Ouais. Donc, les diamants des livres, je crois, de la prison et les plateaux retransforment les personnages en humains. En humains.
Et voilà, donc là on voit donc, des compteurs bloqués. Et là on va voir d'ailleurs après le petit générique, c'est le petit staff, ouais. Où j'ai des points alloués par rapport au nombre de vies ramenées. Oui. Et qui ne vont pas d'ailleurs faire. Qui ne vont pas faire grand chose. Qui ne vont pas changer le score. Mais... Ouais. Mais on peut, pour te dire qu'on peut finir quand même beaucoup plus vite. Mmh. Et ça ne te tente pas d'essayer de le faire le plus vite possible? Moi, c'est pas un jeu qui a été orienté sur ce concept-là. Ouais. Donc moi, j'aime bien... Quand je vois pas trop un concept de scoring, oui, je vais essayer de me laisser tenter pour essayer de faire le jeu autrement. Mmh. Mais là, c'est vraiment un jeu axé sur le scoring, comme ouais. Bubble Bobble. Donc c'est pas un jeu de plateforme classique, hein, c'est vraiment... Ouais. Beaucoup de secrets. Donc, alors là, je reste axé sur le score sur ce jeu. Donc là, voilà, on voit 1 million plus les 6 millions de vies allouées. Alors là, on voit un petit message qui ne sert strictement à rien. Puisqu'il me demande si vous voulez avoir un score supérieur à 9 999 000, alors que je suis à 99 millions. Ouais. En fait, c'est un message qui est mis systématiquement lorsqu'on finit le jeu. Mmh. Qu'on ait la bonne fin ou la mauvaise fin. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir une mauvaise fin. On peut finir le jeu au 7e niveau sans avoir eu tous les diamants. Et là, on a une mauvaise fin. Ah oui. On a un petit message qui nous dit que tes amis sont pas contents, ils sont restés prisonniers. Ils sont toujours en forme de dinosaures, donc ils sont pas très heureux. Donc voilà, il faut recommencer. Ouais. Et on peut même avoir une mauvaise fin sur la dernière île, puisque si j'ai pas par hasard tous les diamants sur une des trois îles. Ils sont transformés, mais ils sont encore dans la cage. Voilà, ou ça peut être l'inverse, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais c'est l'un ou l'autre. Donc, voilà, bon, les personnages là derrière. Ça, c'est la fête, quoi. Voilà. Voilà, là, score optimal, pas faire beaucoup mieux. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, on voit un petit cœur rouge là qui apparaît. Ouais. Qui correspond en fait au fait que j'ai fini le jeu correctement. Une fois. Alors si par hasard je voulais recommencer, je refasse tout le jeu, les 7 îles, plus les îles secrètes, à peu près la même partie sans forcément bloquer le compteur. Hein. Ouais. J'aurais un deuxième cœur, mais qui serait orange. Puis un troisième. Donc si on. Jaune. Voilà. Et je crois, je l'ai jamais fait, hein, mais je crois que lorsqu'on finit donc 7 fois le jeu correctement, on a tous les cœurs de la même couleur. Et il me semble que les messages en fait qui sont inscrits dans les salles secrètes, en fait qui donnent à la base le code qui te permet de partir avec un peu de facilité au début du jeu, sont affichés de manière plus facile en fait à comprendre. Ah d'accord, c'est plus clair. Ouais, c'est plus clair. Enfin, je l'ai jamais fait, donc je peux pas savoir exactement comment c'est écrit, mais je sais que c'est écrit différemment. D'accord. J'ai eu confirmation de ça de part d'un autre joueur qui a réussi, qui l'avait fait avec des sauvegardes en émulation. On va pas garder la PCB allumée pour faire cette partie consécutive. Ouais. Moi, je suis assez taré, je vais pas le faire. Mais les messages sont inscrits de manière un petit peu plus lisible, on va dire. Oh bah, ça donne du boulot pour la suite, quoi. Voilà. J'ai pas encore découvert tous les secrets. Ouais. Boy. Pourtant, il y en a deux paquet. Émissions dessus. Et il y en a un paquet, Il y en a encore. Il y en a encore. D'accord. Merci, Ben. Merci, Julien. Et on te reverra peut-être dans d'autres jeux de cette époque. Peut-être plus vieux, même. Plus vieux, même, ouais. D'accord. Ok, à bientôt alors, merci. À bientôt Julien, salut.